Voilà, la prochaine démo, donc c'est Follow the Meaning. Donc c'est voilà, ça a changé. Ouais, j'ai pas trouvé le titre surtout. Tant pis. Je vous mets le lien vers la page Steam du jeu, le petit résumé dans le chat. Donc Follow the Meaning est une aventure en point and click, hein, prenant place dans une ville étrange dont les habitants se sentent menacés par l'autorité toujours croissante de l'hôpital et de ses médecins. Que se passe-t-il de l'autre côté du mur? Aide le détective Paul Tribby à résoudre cette crise. Donc c'est censé paraître le deuxième trimestre 2024. C'est développé par Hiking Mind Studio et c'est édité par Second Maze. Voilà! Eh bien, du coup, let's go. Donc, par contre, je vous ai pas dit. Bah, de toute façon, je vous le précise quand c'est en anglais. Voilà, sinon, c'est que ce soit en français. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Alors. Oui, faut que je recommence, attendez. Réinitialiser. C'est mieux. Malgré mon vertige, j'ai encore la tête dans les nuages. Ok. Ah ouais, on le retrouve ici, quoi. Ça va, le détective qui se la coule douce, là? Alors, bon, ça, c'est tout ce qu'il y a comme info. Objet collectif, voilà. Bouton gauche pour interagir et déplacer la carte. Ah, alt, ok. Indice on-off. Ok. Alors, pour le détective Paul Trilby. Détective, des pratiques se déroulent au sein de l'hôpital. Les patients ne souffrent d'aucune affection mentale. Nous devons les aider. Venez me voir à l'hôpital, sous. Donc le docteur Suzy. Bon, c'est elle qui le... Qui l'alerte. J'ai un peu augmenté le son pour la musique. Attendez, juste regardez là si c'est à fond. Ah, peut-être pas. Ouais, c'est peut-être mieux, hein. Ouais, je pense que là, on est mieux, hein. Voilà. Ça devrait être plus sympathique. Et c'est un peu comme ça. Voilà. Du coup. Ah oui, on peut donc peut explorer, prendre des trucs. Oui, du coup, c'est un peu fort. Voilà. La mouette. Je sais pas si on peut. Ah, il faut faire ça. On peut pas pousser la mouette. On peut pas maltraiter la mouette. Perçu par un non-éveillé, la vérité ressemble à la folie. C'est complotiste, ça. C'est des trucs complotistes, ça, non? Oui, bah écoutez, les rames, elles sont là, hein, on avait deviné, hein. J'avais cru deviner. Pas sûr, mais... Oh, on pensait qu'il y avait bien une, hein, un truc à utiliser. Hein. Et il veut des verres pour pêcher, ok. Bon, alors les dialogues, c'est pas obligé par contre, parce que du coup, on se tape des trucs comme les Sims là. Donc, c'est non. Alors les sons, peut-être un peu moins. La musique, peut-être un peu plus. Pour que vous entendiez bien. Voilà. Je pense qu'on est bon. Nombreux sont les malades mentaux de chaque côté du mur. Ils devraient être soignés à l'hôpital, mais leurs hallucinations leur semblent réelles. Bah, c'est encourageant, ça. Ok. Allez, hop, un petit os dans la fouille. Et quand on fait halt, ça fait quoi? Attendez, je vais juste regarder quand même. Ah, en fait, c'est pas les indices. Attends. Bah, si. Moi, je vois rien. Ah, c'est pour montrer les zones interactives, c'est pas pareil pour moi. J'appelle pas ça un indice. Journal local, une société divisée par le mur. Un nombre croissant d'habitants critiquent le grand mur construit à la demande du directeur de l'hôpital. Mais le directeur, c'est Trump, du coup? Il faut une hache pour couper l'arbre. Il faut un ticket pour rentrer dans le club. Du coup, on n'a plus rien. On a juste un os. Attends, peut-être avec l'os, on peut faire un truc. Parce que là, on peut pas passer. Ah, si, à la maison.
Oh, bah le toutou va lui donner un os, hein, il est énervé lui. Il est joli son collier par contre. Ah, faut qu'on remette dans le bon sens. Moi, j'aime bien ça. Attendez, parce que là, je pense que c'est ça, mais pas sûr. L'œil, il est là. Voilà, là, la tête de Zinzin, là. La tête de Zinzin. Ouais. On est bon, hein. C'est quoi, faut le mettre tout droit ensuite? Attends. Ah, pour moi, au bout d'un moment... Voilà. Oula! On va lui prendre la hache, effectivement. Pas bien. Pas bien, monsieur. Le créateur existe. Depuis que j'ai partagé ma croyance, je dois me cacher des médecins. Même si, d'après mes croyances, tout cela est prédéterminé. Il y a beaucoup de fois le mot croyance. Du coup, la hache pour l'arbre. Détective et bûcheron, bien sûr. Et lui? Certains refusent de croire au créateur. Et s'il existe vraiment? Ah oui, d'accord, on est là-dessus, quoi. Le chat a eu sa meilleure vie, l'esprit lasse. Ou elle a embêté l'enfant. J'ai vu un médecin mettre quelque chose dans la boîte aux lettres. J'ai eu très peur. À mettre quelque chose, j'ai eu peur. Oula, disparu. Si vous le voyez, appelez l'hôpital. Bah, du coup, on appelle ou pas? Parce que c'était le monsieur, là, qui était dans la maison, hein. Truc dans la boîte aux lettres. Elle est où, la boîte aux lettres? C'est quoi, ça? Hein? Ça? Oh, on a pris un panneau. Hein? Ah, un ticket pour le club. Yes! Ah, et la boîte aux lettres, elle est là. Je prépare un plan qui nous libérera tous. Tu devras l'activer. Je t'attends à l'hôpital. Mes amis t'aideront à y entrer. Les cachettes de mes amis. Ok. L'hôpital. D'accord. Un super plan. Hein. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Du coup, est-ce que si on double-clique, on peut se déplacer? Pas du tout. Hop, le ticket. Oh là! C'est quoi ça? Alors, faut pas prendre la clé, hein. Ok, ok. Il faut une pièce pour les toilettes. Ah, et donc, ah ouais, pas de chapeau comme ça, mais il faut ce chapeau-là pour pouvoir rentrer là. D'accord. Je peux aller là ou pas? Il faut une clé, ok. Et là, on peut pas. Bah, on se barre en fait, hein. Ah ouais, le club select, hyper chelou, quoi. Elle a dit... Ah merde, c'est pas là que je voulais aller. Elle a dit, voilà, ouais, il y aura tes amis, je sais pas quoi. On peut pas monter là. Ah, il y a une personne là. Ils ont dit vouloir construire le mur pour notre sécurité, mais en réalité, ils veulent seulement renforcer leur pouvoir sur nous. Ça paraît pas étonnant. Ça paraît pas déconnant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ici. Ah, il faut une carte, ok. Ouais, non, il n'y a rien d'autre. Ah oui, parce qu'elle a montré un truc. Attends, elle a montré la cachette de mes amis. Voilà, la cachette de mes amis. Voilà quoi. Pour l'instant, c'est zéro, hein. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Ah, peut-être ici, non? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a? On n'avait pas fouillé avant? Mais qu'est-ce qu'il fout? Il met 6 ans à fouiller, là. Attention, 3 yeux peut apparaître dans le voisinage à la nuit tombée. D'accord, et 3 yeux, c'est entouré. Entouré avec une police particulière. Ah bah, 3 yeux, quoi. Ah, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour faire passer la journée, c'est ça?
Attends, soleil, lune. Petit machin, tac tac. Et ça ouvrirait ça? Ouais. Ouais. J'ai un truc à utiliser certainement, mais je sais pas trop quoi. Je sais pas trop où en fait. Ah mais attends, faut pas oublier que... Bah non, que rien en fait. Je peux pas utiliser la barque. Faut oublier qu'on peut utiliser la barque. Non en fait, non. Ah y'a... Non, on peut pas... Si, si, il y a un truc là, non? Ah bah oui, mais c'est toujours lui. Ah oui, non, mais ça sert à rien, ça. Elle, elle lit son truc. Tac. En fait, je cherche un endroit où je pourrais planter le panneau, mais je vois pas. Attends. Je peux pas le mettre là? Ouais, dès que je bouge, il me voit le truc, quoi. Ah! Attends. Est-ce utile pour quelque chose? Est-ce que je peux repartir, en fait? Mais regardez, j'ai un chapeau moi. Et ouais, du coup il voit que l'ombre et c'est ok. Oh trop bien. Cette petite feinte. Ah ouais, par contre le bar ils sont red bourrés eux. T'as du cran, j'ai bu quelques bières mais je vois encore clair. Dégage tes mains de là ou tu te prends un coup de tasse. Ok. La pièce j'en avais besoin pour... Je sais plus quoi. Bah pas ce petit ton, hein, c'est bon. Il regarde là. Ah yes, on a réussi. Est-ce qu'on peut lui parler à Micheline? Pas du tout. Okay. Ah c'est pour les water, c'est ça. C'est quoi? Un tournevis. Ok. Mais il y a ça et du coup on utilise le tournevis là-dessus, non? Yes. C'est quoi? Est-ce que c'est... Ah c'est pour l'évier, ok. Oh, les asticots pour la pêche. Bon bah let's go, hein. Let's go. Ah d'accord, non, c'est pour qu'il les mange en fait, nuance. Il a vomi, mais il est dégueulasse l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a mangé les asticots, il a vomi. Ok, drôle d'ambiance. Ok d'accord, et la démo est finie. Franchement, ça a l'air trop cool. Je trouve que la DA est super sympa. Et ouais, non, j'aime bien ces petites énigmes et tout. Il y a un petit peu de dialogue. Enfin, franchement, c'est très bien. C'est très prometteur en vrai.